insieme a Sergio la presenza di Silvio e tanti altri. Sì, bonsoir. Peut-être un mot d'abord, Igor, sur le film et sur le projet, puisque qu'est-ce qui fait que ce projet, c'est vous qui l'avez réalisé? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Bah, simplement, moi j'avais écrit le livre, dessiné le livre qui a été publié par Wasserman il y a longtemps, en 2002. Et depuis ce moment, on avait envisagé de faire un film. Il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup de metteurs en scène qui se sont succédés. Moi, je voulais l'écrire, mais je ne voulais pas le réaliser. Et ça, c'était son idée. Depuis, on s'est rencontrés les jours d'après. On s'était un peu reconnus parce qu'on aime des choses, tous les deux. Des amours en commun et les jours d'après lui m'a appelé au téléphone, il m'a dit c'est toi qui dois le réaliser, c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui as inventé les situations, les personnages, et c'est toi qui as une idée de comment regarder le film, l'histoire. Et comme ça, bon, on a développé ce travail. Ils sont passés 15 ans à peu près, et puis après, j'ai décidé que bon. Il y avait, je me souviens de Jacques, qui est un copain à moi, Jacques Desboussard, un grand auteur de BD, qui m'a dit, tu sais, ben c'est un travail, ça, c'est... Et il avait raison, c'est un travail, mais il faut demander aussi des choses. Donc Tony était dans le projet dès le début, en fait. Dès le début, en même temps, ça devait être lui qui devait être le personnage. Pour moi, il pouvait être que lui, l'acteur, tu sais. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont traité autant que metteur en scène tout de suite, même si j'étais censé être le scénariste, mais donc ils m'ont montré des photos ou des petites vidéos des acteurs, et dès que je publie, je dis bon, c'est lui. Et pour moi, il était resté toujours lui. Il a de toutes les possibilités, on a parlé des acteurs américains, de la planète entière, mais pour moi, c'était que lui. J'ai beaucoup aimé le livre quand je l'ai vu, et le personnage, et Igor, c'est l'auteur de magnifique livre qui s'appelle les cahiers Ukraine, les cahiers japonais, et celui-là c'est le cahier de Naples. Et je suis un comédien napolitain et j'ai eu tout de suite le désir de faire un film sur ma ville. C'est une histoire qui est dans ma ville avec ce vieil gangster qui pense d'avoir la conscience tranquille, mais il découvre que c'est une illusion. Et il doit commencer nouvellement à vivre en ayant seulement à disposition deux jambes, deux bras et sa face. Et sans c'est le numéro parfait, c'est un titre pour ce petit conte, selon moi, moral, parce que le personnage marche vers un rédemption, que je trouve très beau. Et pour si le film, c'est ironique et malicolique en même temps. Ce personnage, son visage, sa face, elle est très différente de la vôtre. Ah oui. Mais aussi d'Andreotti, aussi de Berlusconi. Je suis un comédien. Je suis un comédien. C'est mon travail. Il me demande de faire cette demande. Si vous prenez des photos d'Alec Guinness, vous savez, le jeune ne connaît pas Alec Guinness, mais c'est un grand comédien anglais,
Il n'y a pas une photo qui est pareille à la autres. Il l'a toujours fait parce que c'est normal, c'est pour les comédiens de la tragédie grecque utilisent des masques. Non et, je vois, c'est plus difficile de faire un truc pour l'intérieur, de jouer la fragilité d'un homme, sa vieillesse, sa fragilité, sa douleur pour la mort du fils, ça c'est difficile. Mettre un nez ou l'oreille, c'est pas beaucoup difficile, c'est difficile pour l'éducateur, mais pas pour un comédien. Et je n'aime pas faire moi-même dans les films. J'aime beaucoup être caché sous le personnage. Je crois que le comédien doit être le testimon, le témoin du personnage et de l'idée du metteur en scène. Parce que le cinéma, c'est surtout une question de metteur en scène. Le théâtre, c'est une question du comédien. On peut poser quelques questions. J'ai pas de micro, par contre, c'est un petit peu d'improvisation, mais c'est pas grave. Donc, je peux passer moi parmi vous pour prendre 3-4 questions. Là, s'il y a quelqu'un d'autre qui spontanément a envie de prendre la parole, on peut le faire. Si il y a quelqu'un. On va s'interroger. Pas bon. Oui. Est-ce que vous pouvez définir un genre de votre film? Parce que moi, je trouve que c'est un peu un mix entre un noir, mais c'est pas vraiment un noir, et un western, finalement. Comment vous avez essayé de le faire en devenir un film de genre? Ou alors, vous avez juste créé, vous avez trouvé ce mix qui, je trouve, soit... Après, je ne sais pas, vous pouvez me corriger si vous avez un genre. Non. Moi, je voyais faire réaliser un film des samouraïs. Donc, je me suis trompé peut-être. Non, sérieusement, c'est. Ça va se faire. La science. La séance du prochain film, vous pouvez rester si vous voulez. Non, pour moi, c'était intéressant et amusant réinventer un peu les règles et même anéanter certaines règles typiques du genre. Et donc, quand je parle de film des samouraïs, c'est une chose qu'ils m'ont demandé aussi. C'est la même chose, la boîte est la boîte, mais ce qu'on cherchait, c'est l'humanité des personnages et aussi un rapport entre les personnages. Ça, c'est pas. Et les regards, même sur l'absurdité, vous voyez, ça commence avec un cadeau d'anniversaire et c'est tout flingue. De l'autre côté, et même la mémoire, c'est les souvenirs idéalisés du passé, c'est le carnage de la famille, de sa femme, etc. Donc ça ressemble un peu au théâtre de l'absurde peut-être, mais si vous lisez les interviews aux chefs de mafia, ils sont comme ça, hein? ils sont assez de vouer très religieux et après ils tuent sans pitié, sans problème. Et ça, c'était l'outil que l'humour, c'était un peu l'outil qu'on utilisait pour travailler, raconter cette espèce de vision un peu paradoxale. Et après, il y a tous les discours sur la BD italienne, mais ça sera pour la prochaine réincarnation. Il y a quelque chose des tontons flingueurs, quand même, un petit peu. Tonton flingueur. J'adore tonton flingueur. Sì. Malheureusement, je ne la connais pas. Sì, la conosco, ma non tutti. No, ma non la conosco. Tonton Flanker, oui, moi j'ai le DVD de Tonton Flanker chez moi. Jacques peut témoigner. J'adore aussi Audiard, le père scénariste, non? C'était un maître avec des dialogues.
Oui, mais les dialogues c'est... là sont quand même aussi très très bien. Oui, enfin... je me suis amusé, je me suis bien amusé, j'arrive tout seul comme un crétin. Il y a encore un peu trop de questions, ouais, je peux, voilà, si quelqu'un d'autre prend la parole, on y va. Voilà, il y a une question. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une portée symbolique dans votre travail? Parce qu'il y a le nombre 5, il y a aussi le discours sur le bien et le mal. C'est presque philosophique et spirituel, la forme. Bonne question, oui. C'est un livre et c'est un film qui est plein de symboles et qui a plein de choses cachées. Je ne vais pas le dévoiler là maintenant, mais honnêtement, c'était... On avait des rituels aussi pendant la construction. Lui, il était obligé à numéroter de 5 pendant qu'il appelle. Et toutes les plaques des voitures ont des 5, des choses comme ça. Les 5 est un numéro très spécifique, soit à Pythagore, soit à. Les 5, c'est le milieu, non? Le milieu, c'est le mot pour dire. La criminalité, de mob, c'est ce qu'on appelle de mob, et la paix, et après 5 c'est la mano nera, donc la mafia, 5 c'est ce qui a expliqué tout à l'heure Tony aussi, et en plus il y a d'autres choses cachées qui étaient là-bas maintenant, mais qui vous pouvez détecter dans les films, il y a aussi. Il y a la toile de Piero della Francesca, une pape de profil comme ça. Le profil, le duc de Montefeltro. Sì. C'est le nez du duc de Montefeltro, oui. Il ressemble beaucoup. Sì. Mais aussi di Tresi, dans la bande dessinée de Tresi, pas les films. C'est simplement un grand mal. Moi, je ne suis pas italienne. Mon amie est italienne. Donc la question que je... napolitaine, pardon. La question que je me posais, avez-vous tourné en décor naturel, Anna? Mais vous ne pouvez pas, vous posez pas des questions à Tony, c'est tout pour la française. Je ne sais pas ce que ça arrive normalement. Nous, on a tourné les 90% à Naples, dans mes quartiers préférés, qui sont des quartiers très décadents. Forcella, Porta Nolana, Rione Sanità, sont il Capone, sont des quartiers très pleins de vie et pleins de douleurs. Ça, c'est la chose qu'on cherchait. Tony a jamais posé un problème. Il y avait des rats gros comme ça qui passaient pendant le tournage. C'était incroyable, tout le monde disait, tu sais, mais lui pourrait arrêter le tournage avec des problèmes comme ça. Mais ça, c'était un peu l'aventure de tourner. Après, on a essayé de vider Naples, c'était déserte, on a tourné 27 nuits, parce que c'était une vision un peu métaphysique, un peu cette espèce de Naples vide. Désert avec la pluie, avec le brouillard. C'est le brouillard à Naples, on ne l'a jamais vu, mais là, on le voit. On cherchait une espèce de Naples mystérieuse. Et ça, c'est une chose qui m'intéressait beaucoup, parce que Naples est une ville très ésotérique, très stratifiée de cultures différentes. Et c'était la chose qui me bouleversait. Au début, quand moi j'écrivais les livres et j'allais faire des repérages, après, je m'échappais parce que je ne pouvais pas rester toutes les trois jours, c'était trop fort pour moi. Une question pour vous deux peut-être, est-ce que vous avez déjà montré le film à Naples et comment est-ce que ça s'est passé? Oui, nous avons montré le film à Naples, c'est bien passé, oui. On est là, donc on a survécu à l'expérience. Nous avons
tournée dans ces quartiers qui ne sont pas très fréquentés par le tourisme et où il y a, comme a dit Gordon, une situation de douleur, de difficulté, vraiment une situation de douleur, mais aussi une générosité quand arrive le cinéma à 3h du matin, il y a situation où on pense que tous sont à dormir et arrive le cinéma et par les fenêtres, les balcons sont sortis des petits enfants, des vieilles qui demandent qu'est-ce que vous faites, mais vous faites toujours la même chose, vous voulez boire un café. Il y a en grande douleur, mais en grande curiosité humaine, en grande générosité, en grande participation. Et ça, c'est vraiment émouvant quand on tourne un film à Naples. Je me souviens qu'en particulier d'un balcon vide, et pendant la représentation, sont sorties 12 personnes collantes, en culotte, qui se sont posées sur le balcon comme les gonflables, non? Et tu as demandé qu'est-ce qui passe, non? Où s'appelle le film? Et si tu dis le titre du film, tu réponds, je l'ai déjà vu. Naples, c'est une ville où il n'y a pas la possibilité d'être, quand tu fais un film, un grand artiste, parce que c'est une personne que tu dis, oui, tu as fait un film, mais ici, il y a le monde. Non, et ça, c'est merveilleux, c'est très important. Vivre à Naples pour cette raison, et travailler à Naples, parce que tu travailles dans le cœur d'un monde, vraiment d'un monde. J'ai beaucoup aimé la chorégraphie de Touré dans le film, comme tous les gens. Est-ce que ça laisse beaucoup de prise pour avoir tout cette... Elle doit faire molte imprese pour la scène, quella del massacro. Piano sequenza. Et la lumière et la façon de chorégraphier étaient parfaites. Vous parlez un peu de votre... Je voulais savoir comment ça, parce que j'ai la luce, la scène était parfaite, avec molte imprese. Là, on a fait les plans séquences dans l'escalier, on a tourné 11 fois. Et le chef opérateur m'avait prévenu, il dit, regarde, que peut-être ça ne viendra pas parce que c'est très compliqué. Il y avait les steady cameramen qui devaient filmer à l'arrière sur les escaliers. Il y avait l'autre qui le conduisait, qui risquait de tomber. Il a failli tomber lui aussi avec les cameramen. Et la septième fois qu'on avait pratiquement terminé, c'était parfait, il y a un stuntman qui a ressurgi en voyant qu'il n'était pas encadré, il était en plein cadre, a appelé tous les dieux du Parthénon grec pour l'étrangler tout de suite. Et donc après, on a continué à tourner jusqu'à la 11e fois, et à la 11e fois, c'est celle-là que vous avez vue. Et le rapport avec le chef opérateur, qui c'est Nicolas Bruel, un Danois, c'est un mec, une espèce de frère pour moi, c'était très fort parce que lui est un peintre avec la lumière, c'est ce que moi je cherchais. Je cherchais quelqu'un qui pouvait être entre Zniazinski, qui c'est le directeur de la photographie de Stalker par Tarkovsky, et Doyle, celui-là de Wong Kar-wai, de Wolf of Love. Et ils m'ont montré des petites images qui provenaient secrètes du set du film Dogman par Garon. C'était pas possible parce qu'il n'était même pas fini le film. Et ils m'ont montré des images, donc ils ne pouvaient même pas me les envoyer. Et je suis resté sidéré. Pour moi, c'était quelque chose de révélatoire. Et donc là, je me suis ressenti comme quand
Jimmy Page a trovare Robert Plant, per esempio, wow. Che avrei le rapport avec, avec lui sulle sette, se développé, ma on est très 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 solidale, il y avait une grande complicité. Allez-y, monsieur, ça sera la dernière question. Bravo pour ce beau film que j'ai trouvé très poétique. Je n'ai pas lu la bande dessinée. Je voulais savoir si vous avez pris la BD comme un storyboard que vous avez appliqué, ou alors est-ce que, par hasard, vous avez, à partir de la BD, construit autre chose ? Vous tentez peut-être de refaire une histoire un peu différente. La bande dessinée est, a une structure de narration qui ressemble beaucoup au film, mais la première chose qu'on s'était dit avec Tony, qui avait cette grande générosité de partager avec moi, même il était mon miroir parfois, parce qu'on se parlait, pourquoi faire la bichromie, pourquoi pas la faire, c'est un bichromie les livres. Et moi, je voulais la couleur avec ce genre de saturation comme des films des années 70. Et tout ça a commencé à appeler d'autres choses. On voulait faire un film, on ne voulait pas faire un ciné-comique, un ciné-BD. On voulait faire un film, utiliser le langage du film. Donc on a créé même les bossus, c'est un personnage qui n'existe pas dans la bande dessinée. Donc tous les prologues, le début du film, ça n'existe même pas. Et donc toute l'intrigue avec le bossu, même dans les duels finales, c'était pas prévu comme ça. Mais oui, on a utilisé, et Tony, j'ai vu sur les sets, parce que sur les plateaux, moi je n'avais pas lui demandé de faire ça, il appliquait cette pose de la mimique quand il place les mains comme ça, etc., à partir de la bande dessinée. Mais après, avec les mouvements, avec l'espace, il y a toute une ritualité qui est totalement différente. Il faut travailler sur le temps, et ça même, dès qu'il termine de tirer la pose théâtrale, comme ça, bon, descendre. Ça, c'est la ritualité qu'on cherchait. C'est un autre langage qui est s'est développé au fur et à mesure qu'on avançait avec les tournages. Et la musique est très belle, c'est toi qui l'as composée? Non, moi je chante des chansons dans le film, notamment celui-là de la voiture qui arrive avant de se faire assassiner, l'assassin qui vient assassiner. Mais la musique a été composée par mes musiciens. Une, c'est Sarah Tartuffo, qui est une parisienne, qui maintenant est installée à Naples, et l'autre c'est Rosario Castagnola, di Ross, et qui travaille pour dans la production de la musique contemporaine, ou sinon il a gagné de Davide Donatello en Italie pour la bande sonore, il travaille avec Garrone ou avec les frères Manetti en Italie. Et moi je voulais une bande sonore pas un décor musical, mais une bande sonore qui devient une narration, partie de la narration aussi. Donc, la scène de Kung Fu sur la terrasse, là, ça commence avec les percussions japonaises ou chinoises. No? Et après, ça devient western, basta. Donc, ça, c'était un peu le but. Il était composé, ils ont fait 83 thèmes pour le film. Donc, grande générosité, mais ils sont mes frères, donc ils se sont donnés. J'ai beaucoup apprécié les graphismes et je voulais savoir si c'était une inspiration Anatomy of a Murder de Harry Mancini. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Vous dites l'animation à la fin. Ça m'a plu beaucoup et m'a fait penser Anatomy of a Murder. Ah oui, oui, bien sûr, on a volé carrément. Non, non, on a... Igor, Tony, vous voulez conclure par un mot particulier à l'audience? Moi? Tony. Chanter une chanson de Dorothée. Non. Chanter, mais c'est pas le moment. Non, merci d'être ici.
L'italiano. Ma c'è così. Pare le cose. Non ce la sanno più. Anche bambino. Su desideri e te. Ma fa paura. Campa con te. Sembra con te. Ma non morì. E vabbè. E poi. Merci à vous. Je suis fou, c'est ça. Non, c'était pas fou. Je suis fou de ton nom. Merci, merci, excusez-moi. Merci, c'est l'air de Paris. Voilà.